On est bon. Eh bien, Allez, écoutez, alors, bienvenue tout le monde dans cette clan war du samedi soir où notre superbe team d'Angel Wings va pouvoir affronter les Passion Mercs dans un duel jusqu'à la mort en 6 manches plus une. résumé du format 3 BO2, 6 joueurs. Et on a beaucoup de terrain. Il va falloir que je fixe également les races des joueurs adverses. Bon, on va attendre quand même la fin de la partie. Tant Donc ça que commence tu déjà n'oublies par pas un de TVT. changer la scène, on va commencer donc par un Partie en TVT pause. qui est en petite Ah, pause. Dex qui Oui, lag. petit lag. Dex qui lag. Je vais mettre Chez moi, les ça pseudos. marche fluide. Ouais, grave. Moi aussi, ça marche nickel en tout cas. Alors, CTRL SHIFT F, non, CTRL ALT F, comment on est? Ping, 15 MS, non, moi je suis bon, on est sur Central Europe. Alors, j'ai 180 FPS, le ping 14. Je Ouais, crois que je moi suis j'ai bon. 16, tu dois être plus proche des serveurs. Alors moi je suis nickel aussi, hein. En termes de ping et tout, FPS je suis presque à 300, ping je suis... Ah ping, je monte un petit peu, mais je monte à 28, 28, 29, mais ça va en vrai. Oh, C'est mais c'est Dext, il vivable. a une connexion en carton. Déjà qu'il pouvait me dire que qu'il n'avait pas la connexion pour streamer. Ah, les lycéens, ils ont une connexion Ah, Wi-Fi. ça arrive, hein, honnêtement. Honnêtement, c'est chiant quand ça arrive de pas avoir la connexion pour streamer. J'ai voulu streamer pendant tellement longtemps et j'ai jamais pu. Et c'est que depuis, ils ont installé au bout d'un moment la fibre chez mes, enfin, Ah, ça change dans le tout. village où je vivais avant. Et du coup, j'ai pu stream, mais sinon. Moi, j'étais l'un Go, des go, premiers à go! streamer à l'époque de Baudoire. Ah ouais, putain. Tu connais Livestream? Non. C'était la première Mais plateforme sur Liquid Ah oui, qui payait. non, oui, c'est vrai, ça existait là, Alors, comme je connais pas. Mais alternative à Twitch. je vais pas te mentir, j'ai commencé StarCraft 2, j'avais. Genre, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que StarCraft 2 était sorti. Ah ouais. Ouais, j'ai commencé tard. Et avant ça, je jouais beaucoup, c'était à Halo Reach. Halo Reach. Je Ah, ça pense change. que à Halo Reach, j'avais les possibilités de devenir pro dessus. Ah ouais, bah c'était sur la scène Halo, hein, de toute façon. Bah oui, mais je le savais pas encore, et vu que mes parents ils étaient. Enfin, je savais même pas que le pro gaming ça existait en fait. J'étais Non, mais trop en petit France, quoi. oui, c'était pas mis en avant. Et puis c'est surtout aux C'est États-Unis toujours pour pas Halo. beaucoup mis en avant, on va pas se mentir, hein. Ouais, mais bon. Genre, disons que si j'étais né 5-6 ans plus tard, je l'aurais sûrement appris, tu vois. Bah, pour gaming, il a commencé avec Counter-Strike et puis StarCraft World War. Mais World War, c'est sur. Counter-Strike, Ouais. pendant des décennies, la player base de Counter-Strike, c'était plus que toutes les autres player bases réunies. Ouais, surtout ça. Alors... C'est le jeu qui rassemblait tout le monde, quoi. Avant l'avènement des MMO. Alors pour la game, Dext, il est parti sur double gaz, c'est ça? Je Oui, vous avoue, je il regarde est pas parti trop. double gaz, Double parti gaz, sur mais Rax, après SCV Rax. dedans. Ouais, il a fait Rax double gaz. Du coup, il a close le wall assez vite. Du coup, là, le terrain en face, il sait pas trop ce qui se passe. Maintenant, il sait. Maintenant, il sait avec le timing de base, c'est facile. Si c'est un double Rax Reaper expand, en général, la base elle est posée à 2015. Donc là, normalement, il sait que c'est une factory et pas une deuxième Rax. Il a l'info. Bon, il va Ah, en forcer plus, il pour rentre le dans la payer. base. Aïe, aïe, aïe. Oh, il a. Dommage. Alors là, il sait tout. Là, il sait tout. Dex, il voit que c'est un Reaper Expand, du coup, il prend le bon choix de faire un réacteur et pas de faire un troisième Reaper.
Genre, en vrai, faire un troisième Reaper, c'est retarder sa tech, c'est retarder son Starfort et la production de Marine, donc ça sert vraiment à rien. Quand tu joues contre quelqu'un qui joue Reaper Expand, ça sert à rien. Après, il est obligé de faire du dégât pour revenir dans l'écho. Parce que... Pas vraiment, parce que vu qu'il a fait un Reaper Expand, en fait, il a fait un gaz après Pax. Le son, s'il vous plaît. Un peu bizarre. Ah, il y a un son bizarre. Ouais, en fait, c'est comme si tu parlais très fort, mais très loin de ton micro. Je sais pas comment le décrire. Hein. Ah, ok. Je peux parler moins fort et plus loin. Un mégaphone, par exemple. Ah, je pense savoir ce que c'est. Non, alors tu streams depuis ta salle de bain. Non. Voir des fois, hein, mais. En plus, j'ai pas changé ma scène. Non, en fait, ce qui se passe, c'est. C'est un Medivac, hein. Ça a tenté une agression quand même. Ça joue très safe de la part de notre main Ron. Avec un cyclone et un viking. Je pense que Dext... Un peu de Dext hein, pour savoir ce qu'il y a en face. Il a pas vu de tank déjà. Un cyclone en production. Alors est-ce que c'est pas mieux là? Ah c'est 10 fois mieux. Ah oui c'est 10 fois mieux ouais. Ouais voilà, c'est parce que j'ai reconnecté ma cam pour pouvoir stream un peu aujourd'hui et du coup en fait le micro de la cam prend le dessus. Ah c'est ça. C'est horrible, c'est chiant. Ça me le faisait aussi. Du coup ouais, je disais vu qu'il a fait un. Il a fait son. Comment dire. Il a fait son double gaz mais après avoir fait la Rax. Du coup il a eu sa B2 plus rapidement. Donc en vrai il a que un SCV de retard par rapport à un Reaper Expand standard. Ouais, bon après là il a quand même un petit peu plus hein, il est arrivé à 6 de retard, on va voir s'il arrive à faire du dégât avec ce drop. Non, il a même perdu un Marines. Ouais, il a 8 SCV de retard mais je pense que c'est plus une question de prod tu vois. Là ça va, bon, ils ont posé la P3 en même temps. Tu veux pas que je t'attende plutôt? Bah je sais pas. Enfin moi c'était non, mais c'est genre ralenti au moins la V3, ça c'est posé ça comme ça quoi. Alors par contre faut pas perdre le cyclone, ouais. Ça serait bien. Alors focus sur alors, le... Ah ouais ça serait bien ça. Est-ce qu'il va le perdre? Ah putain oh, il perd tout. Oh, et tu pas le Raven. Quelle déception. Et tu pas le Raven, c'est triste. Ouais. Parce que c'est une unité ultra importante dans les 3 prochaines minutes quoi. Si un poche frontal. Mais il en refait un. Ouais, il a quand même 6 SCV de retard, je sais pas pourquoi. Pourquoi il en a autant, normalement il devrait pas en avoir autant. Bah ça, c'est aussi comme l'orbital. C'est facile en fait. La B2 et c'est fini avant. Ouais, non mais. Le avant quoi. En Reaper Expand, le timing de B2 c'est une 43, une 45. Quand tu fais le double gaz. Normalement, à 2 minutes 30 au plus tard, tu poses ton ta B2. Du coup, t'as quoi? T'as 3 SCV de retard. Ouais. Normalement, t'es censé avoir 3 SCV de retard dans ta production. Au grand max, quoi. Ouais. Là, il a pu en récupérer un. Et là, il y en a. De cap, tu vois, parce qu'il et là, il y en a plus. Donc, je pense que. Non, je pense qu'il y a eu un petit souci de prod, mais pas beaucoup, parce que au final. En fait, ouais, je sais pas. Bah là, il va revenir parce qu'il a réussi à retarder en fait la pose de B3. Ouais, la pose enfin, de B3. Ouais. Mais par contre, niveau aérien, il a beaucoup là. Il a pas mal d'avance. Bah après, l'avantage de faire un Reaper Expand, c'est que tu pompes du Marine beaucoup plus vite. Ouais. Donc en théorie, t'as plus de Marine que quand tu fais un double Rax, un double gaz, je veux dire. Bon après malgré tout, le mec en face il est en train de jouer sa game sérieusement. Genre il a pas fait un BO en mode je vais te outplay, non. Il est là en mode je suis plus fort que le mec, je suis plus fort que le mec en face, donc je vais jouer ma macro safe et il y a pas de raison que je perde. Il a pas encore pris ses gars sur la B3.
Ah, je sais pas, je vous avoue que je suis dans la vue du je suis dans la vue de l'autre mec en fait. Et si je supply à 125. Ouais, il a une dizaine Ah, ça met les marqueurs là. De supply d'avance. Mais ah, ils vont se faire choper un par un. Bah, aux upgrades ça donne quoi? Parce que en vrai à la pop pour l'instant Dex il tient bien hein, il y a deux upgrades d'avance pour Mr. Ron. Et les upgrades sont pas loin d'être finis pour Dex, donc ouais. Tant que ça fight pas maintenant, on est à l'équilibre. Après, c'est avec le BO qu'il fait, c'est normal qu'il ait un petit peu de retard sur les ups. Maintenant, Dex, il est en avance sur sa B3, sur sa B4. Je vois dans la barre de production que la B4, elle est déjà bien entamée, elle est à la moitié. Ouais, mais elle est in base, elle est dans la B1, elle est pas sur la, elle est pas sur place. Ah ouais, alors que pour le turn bleu, effectivement, elle est sur le slot. Alors, qui en profite, on a un drop qui se profile là, côté sud. Moi je dis ça sentait le backstab pour essayer de gratter la B4. Ouais, mais du coup, vu que la B4 elle est posée de façon safe, ça va aller. Oh putain, le SimCity qui est en train de niquer le game le temps qu'il est bloqué dans la base du terrain bleu. Ah ouais. En vrai, ça m'est déjà arrivé de perdre des mecs moins forts que moi à cause de ça. Alors, genre au bout d'un moment je me rends compte tourelles. J'ai 6 tanks bloqués chez moi. Ouais, en plus il a pas envie d'abandonner ses add-ons. Mais je pense qu'il a pas vu en fait. Qu'il a pas fait gaffe. Et maintenant il va le voir. Je pense que maintenant il va le voir. Non, il le voit pas. Ah, il faut qu'il joue le siège. Bah, tant que les tanks sortent vers le bas de cette facto, ça va aller. Alors, ça va attaquer par le nord. Maintenant, c'est vu. Alors, il y a un bon cordon de tourelle qui est lancé. On peut poser au moins la moitié de ses marines. Ça va attaquer par le centre. Et est-ce que n'empêche, on n'aurait pas un Dex qui nous montre quand même que genre il y a moyen que. Oh, quelle très belle fight avec le. Non, il se prend en balai là. Là, il est en train de tout mettre dans les medivacs. Oh là là. Est-ce qu'il est pas en train de. En vrai, il est en train de. Le terrain bleu, il est en train de reproduire comme un gros port, du coup. Il est mieux, mais il a perdu 20 marines comme ça là. C'est incroyable. Ouais, mais l'autre il a perdu tout le temps, hein. Regarde ton compte. Si, regarde sa B2 là, elle est complètement vidée. Il y en a 9 contre 5, un gros avantage. Bah, en fait, faut que Dex il appuie sur la touche, enfin sur son groupe de contrôle de Rax et qu'il appuie sur A en fait. Mais pas du bâtiment, est-ce qu'il y en aurait pas juste plus d'orax de la part d'en bah face? Il manque un d'orax au moins, non? Non, c'est 5 contre 5. Il s'en est rendu compte hein, que c'est tant qu'ils étaient bloqués. Il a micro médiéval quoi. Ouais, il s'est pas, il était pas trop péché. Par contre, il y a un truc qui est pas beau dans cette histoire, c'est qu'il y a deux Raven contre aucun dans l'armée du joueur bleu. Je me mets dans la vue de texte. Il y en a deux de plus en prod. De l'aide, ça serait pas de refus. Et on bascule. Ah, ok, Dex, lui, il joue la méta Raven en fait. J'essaye en ce moment, mais j'ai du mal à comprendre comment ça se joue. Le joueur bleu, lui, par contre, il va plutôt jouer la méta européenne. Bah. Donc Viking Libé Range. Parce qu'il a combien de Raven là? Dans la 2. 2 plus 2, donc 4 et encore un derrière, il va arriver à 5 bah, Raven. Dès que tu arrives à dépop les Marines, derrière, tu t'occupes des tanks à coup de missile ou de drop. N'empêche que Dex il est en train de tenir la dragée haute dans cette game alors que il y a quand même genre pas mal bien derrière ouais.
Il y a pas mal de MMR d'écart en fait. Ah, j'aime bien cette position de tank avec les tourelles. Les tourelles. Alors, c'est vachement défensif quoi. Ouais, c'est vachement Ça fait vachement le Terran qui a pas envie de sortir de peur de se manger. Là, on va prendre cette fight. Est-ce qu'il continue à prendre aérienne Ah, les missiles. Ah, l'attaque, il a complètement bloqué l'aérien. Bah, le truc, c'est qu'ils sont tous les deux 200 de pop, donc ils peuvent pas vraiment produire plus quoi. On est à combien? On est à 9 vikings contre 8 vikings. Ah, il faut qu'ils continuent de micro ça. Je pense qu'il faudrait juste qu'ils fassent un push et qu'ils disable en fait tous les temps. Quoi. Ou qu'ils trade des marines ou un truc comme ça dans un coin de la map. Vu le défi aérien, il a fait une bonne opération. Il a pu buter les deux radars. Un libé avec Aim. Il prend un peu de papier. Un autre libé encore. Je vais regarder la game genre sans être dans la vue du terrain bleu parce que en vrai du coup j'ai trop d'infos que j'ai pas. Ah mais là il reprendra jamais le contrôle air en fait. Ah non, faut qu'il bouge là. Il reprendra jamais le contrôle air texte parce que il a décidé de partir sur Raven. Donc, automatiquement il produit moins de vikings que le mec en face. Bon après si le mec en face il décide de poser ses vikings sur la range dans la range des tanks, ça va tu vois. Bah là il se fait prendre petit à petit, c'est dommage. Et là il va porter 3 tanks. Il décide de... ouais, des pop, c'est libé, quoi. D'attaquer. Ouais. Oh, mais il revient tout pour une troupe de libé. De libé, ouais, c'est un peu dommage, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il a fait un petit F2 là, et puis encore un F2. Ouais, il est en panique, quoi. Voilà. Non, après. Là, les tanks prennent la position, ça sent pas bon. Ouais, oh là, une mauvaise, très mauvaise petite attaque. Hein. Ouais, non, là ça va être GG là sur 4. Ah, il y a des 5 tanks qui sont tapés dans un pack de marines. Ils sont arrivés les marines. Comme ils sont tombés. Franchement, c'est dommage. Hein. Et la game, il y avait potentiel. Il hein. y avait potentiel de faire quelque chose quand même. C'est franchement. Je pense que. Il aurait dû essayer de faire une concave et disable les tanks et. Il avait l'économie, il pouvait faire un deuxième spatioport, balancer du libé sur la B5-B6 là, il n'y a aucune tourelle. Mais il a trois spatioports, mais il a décidé de jouer la méta Raven en fait. Ah. Et du coup, quand tu joues la méta Raven, il te faut beaucoup d'aérien en fait, surtout. T'as pas la possibilité de... Non en fait, l'avantage c'est que tu t'es plus mobile, et surtout en fait tu désactives les tanks. Et du coup, tu te retrouves avec des tanks qui tapent d'un côté et pas de l'autre. Bah, ouais, après, je suis tombé sur Aero Marine qui disait des fois, si tu joues Mass Raven, cherche pas à comprendre et juste pose des autotourelles partout. Ouais, mais là, il en avait pas assez pour poser des autotourelles. Mais ouais, mais c'est plutôt le style de Maru où t'as 7, 8, 9 Raven quoi. On verra ce qu'on voudra, mais au final les tourelles elles sont gratuites. Ah oui, bah après voilà, j'ai commencé à jouer aujourd'hui le style Raven, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser aujourd'hui parce que je l'avais déjà joué un petit peu avant et je pense qu'il y a des subtilités que tu peux connaître vraiment que quand tu es joueur pro en fait. Après, cette game est pas terminée encore, hein. Elle peut encore être ramenée. Ça va être compliqué. Ouais, il suffit d'un mauvais clic quoi. Ah, le retour de l'idée. Il prend une page du bouquin adverse. Après, honnêtement, le mec en face, il continue pas de macro. Genre, il n'y a pas de CC à rajouter. C'est bon, il vient de prendre une base en bas à gauche. Je pense qu'il vient de se rendre compte que la game elle a écouté. Je pense qu'il a balancé toutes les mules là.
Ah ouais. Ouais, il a pas mal de CC le bonhomme quand même, hein. Il a plein d'IP déjà. Ah si, si. Je le trouve complètement. Index, il fait une belle game, je trouve. Franchement, même si il la perd à la fin, oh là là, c'est marrant. Non, mec, par contre, tu peux pas engager comme ça. Non, mais en fait, il a fait le choix de pas dessiéger et d'attaquer en front parce que, en fait, s'il dessiégeait, il avait perdu quand même. Ouais, non, mais il a engage alors qu'il était pas encore à portée, le mec. Ah, la game est finie là, par contre elle est finie, mais franchement il a fait une belle game. Ah bah c'est un plaisir hein. Je sais pas combien il a de CC, mais ça en fait des scans dis donc hein. Pierre le pauvre, il a pas pu agresser une seule fois hein, à part en début de game. Après c'est un choix aussi hein. Il a des si il... enfin ouais, il a fait son petit drop en début de game, mais après il a choisi de rester défensif quoi. Oh, le mec il s'en bat les couilles, en train de faire 15 CC en bas. Ouais, la game elle est terminée là de toute façon. Je pense qu'il le sait, ouais, ils le savent tous les deux. Il avait 2000 à l'instant. Là il a lancé 4 BC, 3 commandes center. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, que j'avais entendu un BC STP en fait. Effectivement, ouais, il y a bien un PC qui s'est TP. Vers la base de 6 heures. Ouais. Ah, mais là, il a envoyé 2000 minerais d'un coup. Là. Bon, le BC à ce moment-là, comme ça, genre, ça fait un peu, genre, j'ai gagné des gages quand même. C'est un bon arras, hein. Ouais, non, mais en vrai, ça fait un peu. Mais ouais, c'est vrai. Ça fait un peu bon, écoute mec, je suis tellement devant que je te prends une PC dans la gueule. Et genre je m'en cache pas, tu vois, je te le montre bien, tu vois, je l'envoie chez toi direct. J'ai de l'argent, je fais un peu ce que je veux. Je suis largement devant. Je pense que Dex effectivement a perdu la game, il a sûrement pas eu la difficulté que le mec il doit retrouver sur son ladder quoi en jouant Dex, mais il a pas été nul non plus. Dex, il a fait une très belle game, donc genre il a fait une game qui se respecte surtout quand tu vois la différence, enfin quand tu connais la différence du niveau quoi. Alors, et quel level est la grosse différence ici, over, Ron, macro, micro, décision? Ron il est ladder man Ron là, il est 6K. ouais, il est 6K, mais quelle était l'erreur en fait de Dex à ce niveau là? Honnêtement, de fight, je pense. Ouais, il y a eu des prises de fight qui étaient vraiment pas ouf. Bah, celle où il a sacrifié, je sais pas, 40 marines d'un coup. Et peut-être des indécisions à certains moments, quoi. Après, sinon, il a pas mal joué pour autant, tu vois. Genre... Bah, tu vois, même lui il le dit, quelle fight de merde sur sa B4. Ouais, bah, en vrai c'est ça qui le met derrière quoi, c'est cette fight là qui le met derrière. Ouais, avant il tenait genre à 5%, quelque chose comme ça de différence, c'était pas grand chose hein. Des fois ce genre de game ça se joue sur une fight décisive comme dirait l'autre. Quelle est notre carte suivante, grand maître Zephyr? Carte suivante, Submarine. Tu veux créer? Non, vas-y, je te laisse faire, que les mecs ils perdent pas leur routine. Allez hop. Fallait peut-être que je retire l'historique. Je reviens.
T'es parti où, Zéphir? Je crois que j'ai entendu une de ces boules rebondir par terre. Il doit être en train de courir après dans son... dans sa chambre, du coup. J'ai ma copine, je crois qu'elle... Je sais pas si elle a rigolé à ma connerie ou... Ah si, si, elle a bien rigolé à ma connerie. Tu sais, je raconte ma... Tu sais, je te balance ma grosse connerie en répondant à ta question, et puis j'entends un... Ah, derrière, est-ce qu'elle rigole à ce que je viens de dire, ou... Ouais, elle était morte de rire par rapport à ce que je viens de dire. Alors... C'est bon, voilà. Zéphir, tu l'as retrouvé? Retrouver quoi? Oh, laisse tomber ça. Et je t'ai dit, je reviens dans 2 minutes, j'avais pas mon casque. Ça a duré. J'ai prévenu les gens que t'en avais pour 1 minute. Ah. Je me suis mis en tenue du week-end, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors faut mettre les bons joueurs parce que sinon tu vas te manger un Zerg Zephyr. Ouais. Un Zerg 5k4. Je me sens tout seul sans une étoile sur mon portrait là. Il veut pas rejoindre. Non, il est pending. Qui veut pas rejoindre? Laderman Run. Ah, et peut-être qu'il estime qu'il a fait son quota de game difficile aujourd'hui. Hein. T'as envoyé le lien sous-marin? Ouais, t'as envoyé le lien. Je peux le remettre. Hein. Si je pouvais taper du texte. Je commence à fatiguer, putain. Déjà? Il est 8h30. Ah ouais, mais mec, je suis malade en fait. Ah! Ah, t'as pas chopé le Covid quand même? Non, j'ai une migraine ophtalmique qui a du mal à passer. Ah, c'est pire. Pire que le Covid, non. Parce que pour. Je pense que je l'ai eu, hein. J'ai pas fait le test quand je pense l'avoir eu, mais je pense que je l'ai eu. Et je préfère avoir une migraine quand même. Ça dépend, t'as des problèmes à respirer ou maux de crâne? Non, c'est vraiment juste ophtalmique, c'est-à-dire que j'ai très mal au crâne, je peux pas regarder de la lumière, tu vois, faut que je sois dans le noir total. À ce point? Le son, si c'est trop fort ou si les odeurs sont trop fortes, ça me fait mal au crâne. Tu devrais faire un test, si c'est des douleurs qui pulsent, tu devrais faire un test quelque part. Moi j'avais similaire et au final c'était un SVCR, mais ça c'est pas mal de se faire tester. C'est quoi ça? Moi je crois que c'est juste par rapport au fait que j'ai des soucis de glaucome en fait, j'ai mon nerf optique qui est trop tendu et je pense que quand je tire trop sur mes yeux ça me fait ça pas en fait. Tu t'es opéré pour le glaucome? Non. Parce que grosso modo, je ramène ma science, désolé. Glaucome, c'est une surtension dans ton œil qui appuie sur ta rétine, qui enlève le sang dans les vaisseaux et du coup la rétine se meurt. Donc c'est dangereux. Mmh. Et si ton ophtalmo te mesure une surtension dans l'œil, en gros tu peux te faire opérer. En fait, il perce un petit trou sur le côté pour que l'excès d'humeur vitreuse, parce qu'au milieu de l'œil, puisse s'échapper et comme ça la pression s'autorégule. C'est très simple comme opération et alors là j'ai peur pour Dexter. Tu risques pas d'avoir des problèmes de vue plus tard parce que le glaucome ça peut te tomber dessus en 2-3 jours hein, une fois que ça a commencé. Ah ouais, non mais je suis au courant des risques et tout de ce que je dois faire pour le soigner, etc. Mais du coup, quand j'ai des maux de tête, je pense que ça vient de là. Je suis pas sûr. Mais, ouais, mais c'est surtout que dernièrement, j'ai vraiment tiré sur mes yeux
Et je pense juste que je me suis mangé un épique coup de fatigue et. Et voyons, Voilà. hein, si t'as fait des marathons, des grosses séances de jeu, genre 5-6 heures, Ouais, j'ai pas mal joué, mais ça demande à beaucoup d'autres jeux qu'à d'attention, du StarCraft. travail, ça tire les yeux. Hein. Et du coup, voilà quoi. Ah, t'as plus 15 ans, hein. J'ai plus 15 ans, putain. Je te conseille quand même peut-être de regarder ton setup, voir si t'as pas un point lumineux quelque part dans ta vision périphérique. Parce que moi, ça aussi, ça me faisait faire des maux de crâne et mal dormir, etc. Ouais, après honnêtement, ça m'arrive une fois par an et encore quoi. Genre ça m'arrive vraiment rarement quoi. Mais c'est juste que cette fois-ci, elle avait pas envie de se barrer. Genre c'est facile, genre hier avant-hier j'étais couché quoi. J'étais couché dans le noir et À ce point? Ah ouais. Ah mais ça te paralyse complètement en fait. ça me paralyse pas, mais en fait Oh. ça me C'est fatigue quoi. handicapant. Ouais, oh Ah oui, tu peux pas ça peut sortir quoi. être aussi, c'est soit une migraine ophtalmique comme tu disais, soit une conjonctivite. Parce que t'as des conjonctivites bactériennes et du coup ça te file fièvre et bordel. Ah ouais, mais par contre j'avais pas de fièvre. Pas de fièvre? Non. Non, vraiment juste Ok. mal au crâne. Hop, alors du coup, Dex qui décide de jouer la mine de sécurité, donc il va jouer défensif ce DLC. Il a fait face. Ah bah non. Je croyais qu'il avait fait face B2, mais. Non, il a fait un Reaper Expand comme tout à l'heure, mais avec un Reaper Expand, un Bah. double gaz Expand. Sauf que le gaz, il l'a fait en même temps que l'Arax. C'était bizarre. Ouais, c'est parce qu'en fait il fait la version plus économique en fait. Ouais, le fait de faire ça par exemple, ça laisse plus de temps à. Comment dire? T'as moins de supply block en fait, je vais dire du supply block naturel, le temps d'attendre ton troisième dépôt en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Ouais, le troisième dépôt, souvent on le fait Bah, en en fait, le guerre contre troisième l'Arrache. dépôt, souvent quand tu le fais, à la fin du troisième dépôt, tu te manges un supply block vraiment léger, mais tu t'en manges un quand même. Ouais. Et Alors, quand tu le fais comme ça, tu désolé. t'en manges pas. Je t'interromps juste une seconde pour ce qui se passe en ce moment, le Ouais. drop un tank. Comme ça, Sorin, c'est. je me suis mis dans ta vie. C'est chaud D'accord. parce que. Oh là là, cette agression. À cette Ouais. position abusive. Là, la mine, elle Comment sert totalement à rien en fait. C'est ça qui est chiant. Ah mais en fait, Après, c'est juste pour d'accord. cancel la Rax. Le joueur en fait le terrain de verre il a. Bah si il a fait un cyclone en plus. Il a fait le Il a cyclone, fait j'ai le pas cyclone regardé. après. Il a fait le Il a fait cyclone. le cyclone après? Ouais. Ok, putain. Ah ouais, ça arrive vraiment. Ah, la mine qui arrive pas à se repositionner. C'est dommage. On a perdu un réacteur et un. Mais il peut même pas retirer la vision. Bah alors le Raven arrive Incroyable. maintenant. Il y a Le plein Raven de arrive DPS à sûrement côté en maintenant. fait. Il faudrait qu'il se siège. Ah ok, en Au fait pire, fait il comme pourrait ça l'attaquer en arrive frontal, vachement mais. c'est très frontal, hein. On a un rally point, on a une parade de tout ce qui vient de chez notre ami Ron. J'espère que les tanks sont produits en continu chez Dex. Oh, il est On a dessus. deux, il faudra le repositionner. Attaqueur là. Alors, il se fait bait par les deux Reapers. Ouais. Ah, il avait pas assez d'énergie pour cancel le tank. Dire. Voilà, je pense que ça va être GG là-dessus. Ah, on a un Ah, il a bon siège du encore. deuxième Ah. tank. Il offre pas ses vikings, ça y est. Ah, il vient de prendre un tank quand même. Ouais. Peut-être qu'il y a moyen que la game dure plus longtemps. Après, Attends, il a plus la macro la là. B3 elle est bien avancée. Ah non, en fait elle est pareille. Des deux côtés, elle est plus ou moins pareille. Les deux racks qui sont On posés. Deux racks qui sont posés. En Et vrai, il a Dex offert ses deux qui Raven, c'est vient. dommage. Ah, il a offert ses deux Raven. Ouais. Ah, ça, c'est toujours. Ah, le drop. Aïe 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 aïe. Hors de portée du tank en plus. Mmh, Ah, là, c'est compliqué. ça va couper un peu la prod là.
pense que Dex, je pense qu'il déplace pas son tank parce qu'il a conscience qu'il y a possibilité qu'il y a... Que la fiente a... profite ouais, de ça, ouais, c'est ça. Du coup, il a pas bougé son tank. Je pense pas que c'est parce qu'il a pas eu la PM pour le faire. Je pense que c'est vraiment... Deux joueurs turbines avec un gentil 350 APM en permanence, ils ont de quoi faire. J'étais pas dessus. Et le pire, c'est que Dex se mange de la pression, etc. Il joue contre un mec qui a plus de MMR que lui. Et genre, ses ups sont bien en même temps que. C'est le mec en face et tout. Ouais, franchement, il a pas tant d'SCV de retard que ça. Il en a un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Ah ouais, il passe au milieu de la face comme ça. En fait, c'était la meilleure solution. Là, il va perdre le Raven. Ah, ouais, mais. Je crois qu'il perd avec King. En vrai, il perd le Raven, mais il y en a pas en face non plus, donc il fait du dégât économique. Là, il vient de se donner 12 récolteurs d'écart, quoi. Ouais. La B2 est un peu sursaturée, il va falloir peut-être trouver le moyen de déplacer. Après, il le force à réagir sur une petite tentative d'Arras. Ça le bloque à la maison. Ouais, et c'est dommage, c'est qu'il pose pas la B3 en vrai. S'il posait la B3. Allez. Après, est-ce qu'il a estimé qu'il avait pas assez pour poser B3 et la défendre? Je sais pas. Et du coup, il se mange quand même un 32 pop d'écart, quoi. Ouais, 32 pop, c'est un peu beaucoup. Il va pouvoir transférer quasiment instantanément cet SCV. Bon, c'est déjà ça. Bah, le truc, c'est qu'il en a pas beaucoup. 71, ouais, 12 SCV, c'est la différence. Mais c'est ça, mais il joue solide, mais tu sais, c'est à chaque fois un petit pourcent ici, un petit pourcent là, et petit à petit, ça gratte l'écart. Mais bon. Peut-être que sur une bonne fight, tu vois, il y a moyen de. Je pense qu'il va jouer méga défensif comme la game 1. Il est déjà en train de placer son setup de tourelle et tout. Je pense qu'il est en mode je vais essayer d'encaisser parce que. Là par contre, il est complètement derrière. Ah non. Là, le drop qui est full effectif sur la B2. Ouais, dommage. Dommage. C'est pas trop grave. Honnêtement, bon, la deuxième elle a été un peu plus dure, mais après la game était plus. La map était plus courte. Donc forcément, ça fait des games plus courtes aussi. Le Haras c'est plus. Plus. Ouais, 30 secondes, le mec est chez toi, hein. C'est sous-marin. Allez, je vais faire chier le monde. Alors, est-ce que Light est là? Ouais, il est au-dessus, si tu veux aller le chercher. Voilà, ça va être un ZZ du coup. Ouais. Mon dieu, c'est un match-up où je connais absolument rien, donc. Je te propose, on va le commenter comme. comme si tu veux, je ramène ton dada. Ouais, peut-être. Je vais surtout m'allumer le chauffage, me le foutre dans la gueule et puis je vais vous laisser commenter. Quoi. Ah, mais moi je vais te commenter ça comme un pro. Hein. Ils font des Zerlings, ils font des drones. Ah, plus de Zerlings, moins de drones. Ah, plus de Zerlings, plus de drones. Ah, et à la fin, ça sera. Et c'est une fight Roach contre Roach que nous voyons là. Ah, ça Roach très très fort. Hein. Ouais. Roach. Et petit à petit, tous les mots sont remplacés par Roach. Ah, il y a deux roaches de plus de ce côté-ci, mais une meilleure concave de ce côté-là. Nani. Allez, ils sont prêts. Nani.
Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le chauffage et pas le ventilo, s'il vous Dans plaît, ce cas. monsieur, le chauffage? Alors moi, je me suis acheté un truc chez Leroy Merlin, là, tu sais, c'est genre un ventilo statique avec une résistance derrière. Tu le mets à donf, ça chauffe une pièce, une chambre, mais 5 minutes. Ah ouais, mais nous aussi, avec ma copine, on s'est pas fait chier. On en avait marre du chauffage au fioul ou je sais pas quoi, là, au gaz, je sais pas ce que c'est qu'il y a dans notre appart, là. Hein. C'est trop chiant. Le truc, ça met 4 ans à chauffer une pièce, là. Et puis, en plus, ça te le fait pas. Genre, faut que tu le re-règles à chaque fois, tu sais. Il te chauffe la pièce et puis il te demande jusqu'à quelle heure il doit chauffer. Mais genre, chauffe tout court, bâtard. Genre, putain. Du coup, on s'est acheté un petit chauffage électrique, là, tu le branches, hop, le truc il est tout petit, tu le mets. Genre, 15 minutes, t'as plus d'air pour respirer, tout simplement. Ouais, bah après faut se dire, ça c'est consommation électrique intense, hein. Ouais, bah après, de toute façon, tu sais, nous on est sur un forfait et on n'utilise jamais la totalité de ce qu'on nous demande, donc. Ça c'est grâce au nucléaire français, monsieur. Après, bon, c'est sûr que pour la nature, c'est pas ouf. Bon, le nucléaire c'est bien, c'est pas si mal, hein. Ça fait pas de CO2. C'est pour 10 grammes d'uranium, tu chauffes 3 villes. C'est pas si mal au final, hein, comparé aux pays d'à côté où les mecs ils sont là avec leur centrale au charbon. Enfin bref. Moi, je dis qu'on devrait faire des centrales où c'est des gens qui pédalent, tu vois. Ouais, ils font ça en Chine, il paraît. Ça ferait de l'emploi, mec. Ça marcherait pas du tout. Parce que une heure de. Tu pédales pendant une heure, en fait, ça rapporte rien. Ouais, c'est pas du Limite, tout. tu t'allumes une lampe Mec, il y a 10 000 une personnes soirée. qui pédalent pendant une heure. Ça doit bien faire quelque chose, quand même. Mais Ouais, bah, tu peux chauffer un immeuble. Hein. Même Hein? pas, tu peux chauffer un Non, immeuble pendant une heure. non, même pas. À peine. Ouais. Tu fais une heure de sport, ça fait quoi? Ça fait 300, 350 kilocalories. Donc, ça fait quoi? Ça fait ça divisé, on Ouais, va mais dire faut le dire en watts, hein, 360, pas en tu divises calories. par l'autre, ça fait 0,1 watt. Good job, allez, bon courage! Si tu. Ouais, je sais pas, ils ont qu'à se démerder. Ok. Sur YouTube, il y a une vidéo rigolote qui montre Mec, des il y a cyclistes pros tellement. qui essayent de faire chauffer une tartine dans un grille-pain. Mais non. Enfin, Ouais, mais c'est pas de bol. C'est pas de en bol parce l'espace de 5 que. minutes, ils sont complètement cramés et puis ils ont même pas pu toaster. Bah non, parce que les trucs thermiques, c'est le pire. Les efforts thermiques, c'est les trucs les plus énormes au final. Tu te rends pas compte, mais genre, monter un truc de 10 étages, c'est beaucoup moins d'énergie que de chauffer un litre d'eau de 10 degrés, quoi. Ça c'est vrai. Parce que. Ah, mais radiateur c'est du 2000 watts alors. Ouais, mais tu te rends compte, un sèche-cheveux, c'est 1600 watts. Ouais. Bah, j'ai un petit appareil pour chauffer ma salle de bain là, c'est du 2000 watts. Il y en a un qui pose. Ah! Il y en a un qui pose. Là, il Ouais, pose ça les se bipote 3. hein. Hein. Ouais, Il par y en contre, il y a a du bending en prod, hein. un. Ça sent le problème. Un qui Ben, je pose sais pas s'il B3 s'attendait et parce on a qu'il a pas de trop. bending, il a un tarif cafard. Alors ça va être un Aïe. peu trop tard pour les sortir. Aïe. Ça Aïe, fout. tu as Sachant qu'il m'avait failli. splitté là. Aïe. 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 Ah, j'ai mal à mon light. Oh, carrément. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Et pourtant, ils connaissent match-up, hein. Sur le bout des doigts. Bon bah à cette allure-là, je vais vite aller me faire péter le cul par mon Protoss, moi. C'est qui ton Protoss? Ah bah c'est le dernier joueur d'en face, c'est moi qui me le tape. Je sais Ah. même pas comment il s'appelle, je sais juste que je vais me Mais faire péter de toute le façon, dans les règles, on fait toujours les 6 matchs, hein, si je me trompe pas. Ouais. Ah ouais, lui ça, il s'embête pas en fait, il a pas fait une first pool. Il a fait first pool, puis B2. Ouais, bah c'était pool first contre B2 first. Et là, il s'en tirait plutôt bien.
Et par contre. C'est une team d'aliénés en fait. Non, il est all-in. Je pense que c'est un anglicisme. Ah ouais, ok. En fait. Ton cerveau a compensé le feeling général. Non, en fait, c'est surtout que je regarde l'écran de loin et comme je vous ai dit, je suis malade et fatigué des yeux. Du coup, j'ai lu aliéné. C'est ce qu'il a dit. Non, bah si je me rapproche un peu, je vois Oliner. D'Oliner. Bah, aliéné, ça marche aussi, hein. Mais ton cerveau a automatiquement tendance à compléter en français. Inverser quelques lettres. Et donc tu vas inverser les lettres. C'est pilier d'or. Pilier d'or, c'est tes match points pour Light. C'est donc. On va se faire 6-0, ça va être magnifique. Ah, comme le premier match. C'est vrai que j'en ai pas joué beaucoup des clans noirs, mais de celles que j'ai jouées et de celles que j'ai cast avec mon cher ami Zephyr ici présent, ça all-in sec. Ah bah le dernier clan noir, ouais, je l'ai pas casté, mais c'était que des all-in. Celui que j'ai fait moi, le dernier que j'ai fait. Terran. J'ai littéralement dit que les mecs en face ils savaient pas jouer. Ça leur apprendra. Genre j'étais tellement saoulé, le mec il me dit j'ai la chef, il me fait un photon rush. Première game, deuxième game il me fait quoi? Il me fait un photon rush into Skatos. Littéralement la deuxième game je me suis barré en lui disant what the fun. Et après, je leur ai lâché un petit mot gentil pour leur dire que c'était super, super fun d'avoir joué contre eux. Paradoxalement, la dernière fois que j'ai joué, j'ai défendu le all-in et j'ai perdu la macro game comme un gros noob. Ah, mais je sais pas. Après, ça dépend des teams contre qui tu joues, mais... Il y a beaucoup de teams où genre j'ai l'impression que la macro game ils connaissent. Les cheese dégueulasses et débiles, ça part dans tous les sens. Hein. Mais genre des trucs plus débiles les uns que les autres. Mais alors par contre la macro game. On a eu une belle macro game et un texte. Ah oui non mais là le TVT de toute façon en vrai c'est difficile de pas faire une macro game. La deuxième, on a eu une agression plutôt bien orchestrée. Ouais mais ça reste. Ça reste légèrement. Ça reste macro, le mec derrière fait quand même une passe 3 bases et tout, tu vois. Ouais. C'est une pression. C'est la même pression que Dext, il a fait la game d'avant, tu vois. Mais. Avec un drop tank en plus, là c'est beaucoup. En fait, Dext, il a fait la même chose, c'est qu'au lieu de faire un drop tank, il a fait un drop cyclone, quoi. Ouais, mais la position de ce tank était tellement, tellement abusive que. Il nous a fait un misclick. Il nous a fait un misclick, il a bougé tous ses drones pour faire son pull. Saint-Gest, ce qu'il va faire le mec en face. La macro dans ce match-up, ça a pas l'air d'être son délire. Ouais, mais en vrai, si Light anticipe et qu'il fait un petit wall-in, un petit machin, et il a réussi à défendre les premiers links, donc il était sur un timing propre. Et c'est pas du one base, hein, c'est du deux base, qu'est-ce qu'il fait Keras, donc... Non, après, il a été... Il s'attend au même bordel, moi j'y crois. Je pense que Light a été un peu greedy la game d'avant, genre il y avait la B3, il est parti de bat à Roach sans avoir de bat à bending. Sans vraiment savoir ce que le mec en face il faisait et en fait il était en train de. Après, je connais pas le match-up, hein. Genre je peux pas. Non, moi non plus. Mais je discutais avec Rantatou et lui il disait qu'il 12 pull toutes les games. Ouais, mais bon. Ça m'est déjà arrivé de voir Léo dire à peu près la même chose. Rantatou, de toute façon, le jour où tu le vois jouer une macro game dans un match-up ou dans un autre. C'est qu'il est bourré. Il le fait, mais contre des gens comme moi, quoi. Il a tout de même merde de plus. Il le fait quand il est bourré. Ok. Quand il a un coup dans le nez, oui, il le fait.
Parce que tu vois, cette défense, elle est propre. Hein. On a les ceilings, on est là et les deux queens en probe. Et tu vois, le mec, zéro brain, hein. Il est en train de refaire la même chose. Mais ouais. Je veux dire, fool me once, shame on you, fool me twice. Alors voilà, là, il anticipe, il va faire un full wall. Il est en train, il pose la spine, il a compris ce qui se passait. Il a compris ce qui se passait là. Il a compris qu'il était en train de se manger la même merde. Mais genre, mec, comment tu peux. T'es genre. Bah, surtout, ça, c'est il a toute la vision là, ouf, il sait que ça ouais, il a toute la vision, mais c'est pas défendu pour autant. Hein, parce que t'as plein de links en front line. S'ils se font péter des Banes aux fesses, ça va pas être def. Mais moi, ce que je trouve chaud, c'est que au bout d'un moment, t'as un mec, il te fait un cheese, un all-in, un truc dans le genre, quoi. Oh, le hold position avec les links pour défendre, c'est pas mal ça. Il fait un all-in, quoi. Qui passe, et la deuxième game, il se dit, ok, je vais faire exactement la même chose. Ça rentre quand même. Par contre, là, la bad link. Aïe. Bon, il y en a eu deux. Oh putain. Et ça va repasser quoi. Ah ouais, ça repasse. Mais zéro brain quoi. Ouais, mais j'avoue, le full walling c'était pas le fallait faire vraiment un full wall. Hein. Fallait pas bloquer les queens. Ouais. Non, mais il a trop cherché à avoir les cafards. Alors que l'autre il est full walling. Hein. Mais non, en fait, le mec il a rien en face. Il devrait annuler cet Evo Chamber. Il va aller chez lui avec les roaches, à mon avis, ça passe. Je sais pas, hein, en vrai, il y a quoi en drone là? Mec, il y a 6 drones contre 26. Il est en train de poser des spines, le mec en face. Ouais, s'il pose des spines, ça va être la lose. Donc il a juste la choix avec 4. Ouais, il a pas besoin de. Genre, de toute façon, en termes de drone. Ouais, là, en termes de drone, il n'avait rien d'autre à faire. Il posait les spines, 3 spines, et puis en vrai, les 3 roaches, ils passaient jamais, quoi. Ouais, c'est dommage. Allez, Project, chauffe-toi, c'est un TVT. Ton meilleur match. Non, c'est un TVP, moi. Quoi? C'est un TVP que je me mange, moi. À moins que c'est échangé, mais. TVP, oui. Ah, un TVP, c'est un cassis. Monsieur Gouré. Allez, t'hésites pas, hein. Tu mets la pastille. T'es le plus fort, tu vas y aller, tu vois, ça, c'est facile. Bon, je vais essayer de gagner une game au moins, histoire qu'on perde pas 6-0, mais je vous garantis rien. Bon, allez, à toutes. Alors, carte romanticide. C'est un TVP, on est bon, on est parti, Zéphir. Ok, bah j'en profite pour passer aux toilettes. De toute façon, t'as pas besoin de ma validation de quoi que ce soit, donc j'arrive.
va falloir attendre 2 minutes. Ça n'a pas encore commencé et son adversaire n'est pas encore là. Il sera là dans 2 minutes. En effet, je vois ça. Frizzy est là, il est ready, donc tu peux le mettre peut-être à ma place. Yes. Sinon je risque d'être ridicule. C'est vrai, c'est lui qui joue. Attention, 5 à 6 Protoss. ouais, on est sur du GM 5 à 6 qui... Mais qui n'a pas encore fait beaucoup de parties cette saison, donc peut-être que... C'est bon, ils sont prêts. En effet. Mais là c'est un match-up C'était rapide. GG Project, bien joué. Belle victoire, on est sur... Alors... Première victoire de la soirée. Yeah. Alors, Oulolololo. On se dépêche de reporter ça. C'était rapide, on passe à la suite là, Oxide. Hop. Oui, c'est light chat. Je me suis gouré de cartes, c'est ça? Non. Ah, c'était la bonne. Bon. Puis ça. Il s'est passé quoi, la déco? C'est peut-être une déco. Ouais. Parce que la déco nette. Ouais. Ouais, je vois machin. Ok, ils sont prêts. Je peux relancer.
TVT. Bon. On va voir si Project arrive à appliquer les BO correctement. S'il a une maîtrise totale de la race Terran. Ouais, bah on est quand même sur un MMR où ça va, ils sont pas loin. Ça envoie du steak, hein, ça envoie clairement du StarCraft de qualité. Ah ouais, 5-2 contre 5-6. Alors, on va présenter les joueurs. En haut à gauche, nous avons un Terran rouge prénommé Project. Représentant d'un tu achètes les bruitages, tu fais les bruitages, tu fais les annonces. Vas-y, essaye de faire le bruitage. Vas-y, refais l'annonce de Project. Mais non, je refais pas. On va faire une. Bon, je suis prêt. Putain, ça va pas. Alors, nous recommençons. La partie vient de tout juste commencer. Le compte à rebours vient de se terminer. Et en haut à gauche, représentant Angel Wings, nous avons Project. C'était bien, ça t'allait. Ouais, et passons cette fois-ci à notre adversaire, représentant de je ne sais plus quelle équipe, au secours, à l'aide. PM. Patient Merx. Nous avons le Protoss prénommé Frenzy. Parce qu'il est Protoss, donc c'était un petit bruit Protoss, voilà. C'est le bruit d'un prisme qui passe au-dessus d'un... C'est le bruit du prisme qui passe dans ta base. C'est ton bruit préféré. Ou qui se barre de ta base plutôt. Après avoir fait toute la misère du monde. Allez, Project. Allez, tu sais de sonde. Voilà. Allez, poser à 1:51 en fait, avec juste 2 secondes de retard. Je trouve un petit peu useless cette agression. C'est... Ah ouais. Ouais, mais il a réussi à cacher la probe. Et allez, tu l'as vu deux fois là. Voilà. Ah là là, bien joué. Bien joué. S'il te plaît. Ah, alors on pose pas de réacteur, mais on part sur un marine en deuxième unité et une facto. Ouais, il part sécurité, hein, de toute façon. Est-ce que ça sentirait pas le drop mine? Non, il fait pas trop de drop mine. Je pense qu'il est reparti sur son ancien PO. C'est un timing push à partir de Marines tank. Et avec tu un sais, combo alors, position, avec... En position de stress, souvent on revient à ce que l'on sait faire le mieux, à notre zone de confort. Parce que bon, souvent les 5K ils savent très bien gérer le drop mine. Et faut souvent faire 3 actions à la fois pour pouvoir on va dire détourner l'attention de l'adversaire. Et on a un piège à Reaper. Alors il pousse une P3 rapide ou ça va être quelque chose en proxy? Oh, quel dommage. Non, c'est juste un pylône de scouting pour les drops justement. Il aurait pas dû monter la cliff, mais ça va être quelque chose de très agressif de la part du proto, je pense. Ça semble très standard, hein, vu d'ici. On a Twilight Blink avec une robot derrière. Très peu de stalker et une B3, voilà, j'allais dire qu'il allait tomber probablement très tôt. Donc on est sur du gros éco mode de la part du Terran. De la part du Protoss. Et Lyon, ça me surprend. Mais c'est... Et Lyon? Ouais. Enfin, ouais, un Lyon. Au milieu, ouais, là. Ouais. Ça doit être juste là pour vérifier sa sortie. Et ça permet de tuer les adeptes aussi. Quand tu te fais agresser par des adeptes. Attends une seconde, je vérifie le son. Ah, alors on pose pas de réacteur, mais on part sur un marine en deuxième unité et une facto. Ouais, il part sécurité. Hein. Non, c'est bon, le son est bon. Le son est bon. Ouais, j'ai vu Julien dire. Ouais, j'entends un son comme une Atari ou une Mega Drive.
Alors je sais pas d'où ça vient. Ah, j'espère que c'est pas ah ça doit être par rapport au son du prisme qu'on disait au début. Ah oui. Moi ouais, non mais entièrement bruité à la bouche avec les moyens du bord. Ça me rappelle une petite vidéo que j'avais vue sur 9gag où l'ensemble des tirs, fusil à pompe, mitraillette, était entièrement fait à la bouche. Ah, y'a ce blinking qui va faire très très mal. Ouais, c'est très agressif. Ah, mais y'a pas de tank, y'a pas de tank et. Y'a pas de tank, y'a pas d'armée. Et il a la vision pour la mine. Y'a des mines, y'a des mines. Il repart, mais il a pu gratter une dizaine d'unités quasiment là. Il y a 8 marines qui sont morts gratos. Si on veut. Juste 4 gates. De toute façon, c'est l'agression Stalker. C'est le but, ouais. C'est de bloquer le terrain de chez lui. Ouais. C'est là que t'es un peu mal dans la game de quand le proto s'est posé B3 et que c'est lui qui t'agresse. Ouais. Et si t'as fait assez de dégâts, en fait, le terrain est dans le rouge et il est obligé de faire un bon all-in. Il doit placer tous ses jetons pour essayer de gagner cette victoire, pour tenter cette victoire. Mais tant qu'il y a ses stalkers, en fait, il va le bloquer chez lui. Ouais. Et il va le dépouiller de toutes ses. Il va le gratter. Il va le gratter. Ah, tu connais ça, hein? Bah oui, c'est ce qu'on fait. Hein. T'as vu les games de Hantato? Oh là là, il en a assez pour one shot un medivac en plus. Par contre, on n'est pas parti voilà. Colosse derrière. On donc est parti un eagle défensif. Maintenant, il a juste à warper tout ce petit monde là. Ah, bien il sûr, a bien vu qu'il partait vers le bas. Il a le steam. Il les a tous paqués au même endroit. Et bien sûr. Ah. Il est pas bête. Il va pas se retrouver dans les mines. Il a ça, perdu son laps par contre. Ça c'est bon pour Project. Épique. Mais Project qui remonte à la pop hein. Poste B4. Alors faudrait qu'il la cancel quand même cette B4. Ça ce serait l'idéal mais ce qu'il et là le Protoss il doit faire à l'instant. Il doit se dire B4 ou B3 lequel je protège. Il s'est placé au milieu des deux histoire d'être sûr, mais par contre il a une vision je pense. Il y a vraiment beaucoup de mines et donc le mine mais... cette prise de fight elle va pas faire beaucoup de dégâts. Ouais. Là, passer par cette choke ça va être compliqué. Là en upgrade il va être largement derrière. Là, tout ce qu'il prend, c'est du zélote. Hein. C'est la première ligne. Et là, il y a la moitié de ses mines qui ont fighté. L'avantage, c'est qu'il perd tous ses ops. Il en a encore un là. Mais il l'a déployé, il va poser des. Ouais. Ah, bientôt la storm qui arrive. Combien y a-t-il de Templar? Il n'y a pas de Templar. Il n'y a pas de Templar. Elle est passée par le haut, alors, ça c'est bon steam. Play. Allez, Project. Allez. Hit, perds pas trop. Voilà, prends-toi toutes les mines. Oh là là, mes mana fond. Alors maintenant, je sais pas si tu vois la barre de progression, mais 700, 800. Ah voilà, il s'est réveillé. Alors surtout, ne perds pas tout. Il a pas pris le risque de mettre dans les medivacs. Ouais, mais il a blink. C'est sûr qu'il y a 4 stalkers dans ce coin. Il y a rien derrière. Là, ce qu'il faut faire en fait, c'est double front. Mais bon, il a tellement été perturbé en début de game que c'était pas faisable. Double front, peut-être, ouais. Alors, il faudrait un medivac avec deux maraudeurs et des marines, deux medivac ici en fait, au moment où il fightait au-dessus. Et puis faire un bon à clic ici, sur la B. Ouais. Oui, il a peut-être pas assez pour pouvoir faire tout ça. Par contre, il pourrait poser de façon plutôt agressive des command center. Parce qu'il n'y avait pas encore de Colossus et il avait la bonne tech avec les. S'il n'y a pas de Colossus, à ce moment-là, tu fais
full Manivac avec suivi de l'IB. Ouais. On va avoir les Enhanced Shockwaves et les premiers Ghosts qui vont arriver. Là, il est full Gateway Unit. C'est quand même bien. Je crois que Project, il est assez habitué à ce genre de... Ouais. Mais le timing se referme parce que les colosses commencent à sortir. On a la moitié de la Thermal Lance qui est finie. Alors je sais pas pourquoi il a fait un F2 là. Il a pris peur. Il a vu quelque chose. Peut-être il a vu le run by de Zelot. Et ramène tout ça c'est bien pour géré. Pour un run by quoi. Alors qu'il a la pompe. La riprod il avait largement assez. Ça c'est énervé Protoss qui commence à faire un petit peu peur. Hein. J'ai pas vu le corbeau. Il s'est promené un petit peu, et il s'est planté sur la B3. Il est mouru là-bas, c'est ça je suppose. Ouais, il y a un corbeau qui est mort. 12 mines sont mortes, par contre, il n'y a pas beaucoup de probes qui sont mortes. Hein. Alors la fight. Alors, play, run play. Allez, recule les deux. Là. Il va falloir bien poser. Ah, t'es devant, c'est bien. Parfait, prends tout. Alors, ouais, attention. Faut pas poursuivre, tu vas te faire des enfers. Oh là là. Quel massacre. Il est dans l'orange là, ça va pas du tout. Est-ce qu'il avait la vision? Oh là là, il a pas le bloc. Parce qu'il n'y a pas d'observateur dans ce petit pack là. Non. Mais on sacrifie des zélotes parce que. Oh. Ouais, c'est pour les mines. Ah, il va faire du beau jeu, il va clean-up avec le Stalker. Ok. Quand ton adversaire a les APM pour faire ça, c'est pas bon signe. Et quand même, il a fait aucune batterie shield. Hein. Bah, il a toujours été l'agresseur, hein. il a jamais. Il s'est pas senti une seule fois. En danger, il y a beaucoup fait. De canons, hein, il y a beaucoup de canons. Tu regardes dans la base à 3h, il y a. Après, c'est pour de canons. Les canons. Il y a une batterie shield. Ouais, il y a une batterie shield là. En vrai, c'est une armée. Il attendait juste les observateurs. Ouais. Alors, par contre, là, ouais, voilà. on a la prise d'info Colosse à 10 minutes. Ça change un petit peu la donne. Oh là là. Protoss, il n'y a pas de Templar. Il n'y a pas de Templar, mais il n'y a pas beaucoup de Vikings contre les. Ouais, c'est un Viking. Mais il y a énormément de Marauders. Hein. Là, c'est juste une agression en fait pour dire je suis là. Tu peux pas sortir. Je maîtrise la game. On warp beaucoup de Templars, on fait des Archons. Le pire c'est qu'il amasse bien toute son armée donc il donne aucune possibilité de splitter au terrain. Là, au moins ouais, il est complètement derrière. Il n'a pas assez d'armes. Ouais là c'est un peu too much. Là c'est un peu too much. La concave. Et le warping suivant qui fait très mal. Qui fait très mal. Ah mais il le tenait à la pop hein, avec genre 10-15 de différence max. Je suis sûr sur les graphes c'est pas si mal hein. Ouais c'était pas mal. Mais l'agression Stalker l'a bien ralenti Project en tout cas. Ouais mais je pense que peut-être un petit tank ou une mine quelque part dans la B1 pour empêcher le blinking. T'en penses quoi toi? Un tank, ouais, bah c'est la meilleure solution. L'inconvénient, c'est quand t'as un joueur qui met un bon Protoss, qui a une bonne micro, et bah avec les snipes tranquilles, hein, t'es tank. Une bonne bio, un bon multitask. Ouais, bon, il est 5 à 6 aussi, hein, donc bon, c'est qu'il.
Quand t'as une agression comme ça, c'est que t'es derrière en armée automatiquement. Enfin, t'es devant au début. Et si t'arrives à maîtriser le terrain, en fait, tu conserves ton avantage. Dès la sortie du terrain, en fait, ouais. Là, faut être sûr d'avoir assez d'économie pour pouvoir reprendre. Peut-être qu'il l'a laissé un peu trop tranquille jusqu'à 5 minutes, 5 minutes 30. Peut-être un drop des lions ou quelque chose aurait pu le garder un peu plus honnête sur la quantité de grid tech, grid base et. Parce que là, il prend B3 sur 3 stalkers quasiment, quoi. Donc. C'est bon, ils ont choisi race. Je retire l'historique dans tout. Ah, c'est ça qu'il avait fait, il avait s'était planté de race. C'est pour ça qu'on avait quitté la première game. Alors, la bière est vide. Aïe aïe aïe. Attends, je reviens tout de suite, je vais te donner la vision. Voilà, t'as la vision. Je te laisse présenter les joueurs pendant mon absence. Je fais ça tout de suite. Allez, tout de suite. Eh bien, bienvenue dans cette game 6 de la Clan Noir. Nous avons en bas à gauche notre joueur Protoss de la team PM, Frazy, qui a remporté la game précédente. Et on va voir si on peut poursuivre cette lancée ou si notre propre joueur d'Angel Wings Project va pouvoir mettre un stop à la domination Protoss et montrer à qui c'est qui est le meilleur Terran ici et qui va remonter les bretelles à l'équipe d'en face. Donc nous avons un démarrage très standard ici avec Rax Gaz et Gate Gaz. On va voir si le joueur Protoss pose la cyber avant le Nexus ou Nexus avant le cyber, ce qui détermine souvent le degré d'agressivité des premières unités qui vont suivre. On a un cyber d'abord, ce qui veut probablement dire qu'on veut poser un Nexus et être en sécurité chez soi avec un premier adepte ou un premier stalker chrono boosté qui sera là avant le premier Reaper. Alors comment s'annonce ça s'annonce quoi tes Protoss? Ça s'annonce super standard. On a fait un Gate Cyber Expand, on a fait un Rax Gaz Expand. Ouais. Et ok. On a un petit cheeky bunker à côté de la B2 du Protoss. Mais le Protoss est parti cyber avant Nexus, donc le premier stalker va s'empresser de sortir. Et de commencer à casser tout ça. Ouais, j'ai vu que c'était intéressant de mettre le bunker ici parce que le. Ah. Oh, il a même pas pris tes gars. Bah, en fait, si le VC se prend par exemple une attaque. C'était ballot ça par contre. Il peut se réfugier dans les minerais. Ouais, ouais, c'était trop près. Fallait la mettre en dessous en fait, mettre le bunker en dessous. Après, je sais pas s'il y avait une idée derrière la tête. Il répare. Bah ouais. Là, en fait, il y en a deux cette fois-ci. Il y a plus de dégâts que de réparation. Porte spatiale. Nous avons donc quelque chose d'un peu nouveau. Nous avons donc ce fameux Hélion. Et ce coup-ci, on a un réacteur assez vite sur. Bon, il va être scouté, logiquement. Oui. Oui, de ce côté. Logiquement, ça devrait porter à une suite de cyclones, d'après la théorie du grand maître Terran. Tu confirmes? Ouais.
Bah c'est Claude ou Mine hein. Parce que Mine c'est une bonne défense contre la R1. Ah. Ouais, faut que Phoenix. C'est Phoenix. Avec un Twilight mais ultra rapide derrière et un bon gros supply block pour le joueur Protoss. C'est bon pour nous ça. Oui, c'est très bon. Ah, et pas de deuxième supply. Hein. Oh. Qu'on s'est crépu. Ouais. Ah bah, speed le charge quoi. Ah, c'est ça, ça ressemble beaucoup à ce que je fais en général en plus. Ouais. Hein, Il pourrait faire un all-in de base. Hein. Je dirais pas, je ne vais pas nier que peut-être quelquefois ça m'est arrivé de faire quelque chose un peu similaire. Ouais. Comme notre ami Tortue, il est agile pour ça. Je vois. Alors... des gens comme ça aussi, le build de Rotterdam, parce qu'il fait souvent ça avec une forge et le +1 d'armure. Ouais, Rotterdam. Bah, je l'ai eu en... C'est pas vrai. La Seine. Le truc c'est que en gros là il y a le push qui vient. Ouais. Et ça va taper à. Oh des battery shield. Mais ils sont pas bien du tout là. Ouais. Il va perdre sa B3, c'est ouais, très ouais. Bien. Normalement ce push ouais, il n'arrive pas avant VCS. 7 minutes. Ok ouais c'est pour réparer le tank au cas où il est soulevé. Après derrière, il y a le cancel. Mais qu'est-ce qu'il a? Il va falloir reprendre correctement. Là il y a Gate Unit qui incoming. Ouais mais là il a charge, là il a charge, il devrait rentrer chez lui Project parce que là il va pas pouvoir. Il le sent pas bien. Très bonne intuition. Il pose B3 et continue sa macro game. Et ouais. Il est bien dans la game. Hein. Ce cancel, ça c'était. Par contre, pas de steam, pas de bouclier pour le moment. Et c'est à mon avis ça qui lui a permis de push une minute avant. Parce que une minute après, c'est là qu'il faut vraiment pas attaquer. Parce que tu t'empales dans Guardian Shield, les Charlottes et les Phoenix. Et c'est comme ça que ce build est très très efficace. Ça y part qu'un seul phénix là-dessus, waouh. Ça aurait été mieux s'il en perdait plus. Là, on a une B3 de la part de Project. Qui a remis un peu les compteurs à l'équilibre dans cette game. Et on a toujours pas de robot de la part de Frazy. Phoenix là? Non, pas du tout. Pas ça compte. Ah. Ça me rappelle les games sur HOTS. J'avoue que c'est assez. Ouais, il fait l'armure d'abord parce qu'il a la storm. Mais ouais, là c'est des full Rotterdam. Hein. Et encore, Rotterdam lui il fait des colosses. Ah, il fait des colosses, hein. Il est assez rarement sur la storm. Mais là, il a bien lu les priorités de Project et la Project qui va devoir rétro-pédaler et poser un Bataghost rapidement. Ok, il a le bouclier cette fois-ci, Steam. Mais par contre, ce qu'il y a en face, ça va être compliqué. Hein. Il pull les boys complètement là. Il tente à all-in. Ah, par contre, les mines, il en aurait besoin après ça, c'est de flopper de Zealot. Ouais. Il est en panique totale. L'avantage c'est qu'il aura pas. Il va avoir le +1 d'attaque. Il aura pas les phoenix. Mais il va se prendre deux douches là, c'est la mort. Ah ouais, il va se prendre une douche. Ok, c'est pas terrible, terrible comme douche ça. Ouais, bah des bons shots de temps.
Ouais, il s'installe bien là, il s'installe bien. Les protos sont trop tardés à engager. Ah, ça rentre dans les mines. Il avait bien pré-splitté les zélotes pour diminuer les dégâts. Là, cette fois-ci, il saisit les tanks. Il va prendre les arcs contemporains. Les phoenix qui viennent tout juste d'arriver. Et là, il va perdre tous les phoenix. Il va perdre les vikings. Alors, il reste pas grand-chose côté protos. Là, ça va que de la ricab. Il est obligé de tous les boys. Là, faudrait bien focus les unités une par une. Hit and run. Alors, il n'aura pas le temps de cancel le pylône. Et il a assez. Largement assez. Voilà, tu peux le faire. Apporte-le au moins le mécan. Va dans la B2, va dans la B2. Non, non, non. Et attends. Non, 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 les batteries shield, ça va pas le faire. Faut pas qu'il monte. Ah, il y a deux pylônes. Oh. Non, là, il a plus d'énergie dans les minivacs, c'est mort. Faut qu'il bute cette base là. Faut qu'il reprod, faut qu'il continue. Alors, regarde, là, avec le dégât de zone, là, il va se prendre deux hits de la compte et c'est foutu. Ouais, parce que les minivacs ont plus d'huile là. Et t'as trois arcons voilà. Avec deux batteries shield. Aïe aïe aïe. Ouah, bien. Un bon hit. Par contre, overstim pas, s'il te plaît. Allez, continue de produire. Tiens, le bout. Je pense qu'il l'a. Voilà, c'est des médiocres. Merde, ils sortent deux par deux, on est bien. Sonne-moi tout ça. Alors, par contre, regardons là. Ah, les revenus, c'est le Protoss qui est devant. Hein. En ce moment? Non, non, mais il est en train de clap. Il est en train d'envoyer sa tulle là. Alors, regarde les full scans qu'il y a. Par contre il est 1-1. Oh. Ah, c'est 1-0. Voilà ouais. Cette oh non mais le dégât de zone hein, il a la pop idéale pour pas très lourd en marine. Tout perdre, quoi. Ouais vas-y, envoie tout. Par contre envoie sur la B1, ce serait top. T'as pas d'énergie, tu peux pas te prendre de répercussions. Ah il essaie de les prendre quand même hein. Ah, ouais, mais les archons, si tu passes au-dessus, par contre... ils vont faire tartine. Hein. Il a pas. Ouais. Il a acheté son RP. Ouais, il fallait remplir la B2 avant la B3. Là, il va prendre un rush sur la B3. Alors, ça va être compliqué, faut qu'il back absolument tous les VCS tout de suite. Parce qu'il a pas assez là pour retenir tout ça. Il a reposé la B3. Alors, ouais. Ce qu'il faut surtout ne pas tout perdre dans cette fight. Voilà, ouais, c'est la ligne. La mine, repose. Au niveau de la prod, le proto s'y continue. Hein. Là, il revient dans la game. Ouais. Alors ce qu'il faut surtout c'est prendre les templars. Oh il va prendre les templars, c'est bien ça. Allez. Mais donne pas ton armée. Aïe aïe aïe. Son armée était pas compacte. il avait pas assez de medivac au début, là il en a trop. Oh, le nombre de scans qui partent quoi. Ouais. Il y a de l'argent en plus. Ça y est là, vraiment il y a le. Y a là, il faut le zélote là. Il a combien de sorts? Il en a bientôt deux. Oh, oh la belle mine. Plante tes mines. Ah, oh la deuxième storm. Et VCS. Oh. Un storm offert. Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Oui. T'as plein de médivacs, soigne bien. Deux zélotes qui viennent de faire un massacre dans les SCV. Ouais, j'étais pas dessus mais... Attendez, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, y'a plus personne. Maintenant, il faut splitter tes mines. Il faut les mettre dans chaque base Protoss. Y'a pas de détection.
avec toi. C'est pas fini. Il y a de la détection, il y a de la détection, il a posé la robot, il a... Ouais, il a posé la non, mais je veux dire, il y a pas de photon. Ah, les Libé, c'est the play. Les Libé, c'est the best play. Ouais. Ah, là, on est bien. Y'a pas d'entière. Ouais, ouais. Oh, elle est très jolie. Ça en a chopé au moins deux. Il a encore un EMP disponible. Bon. Ça va encore plus de Zélote, quoi. Ah, c'est pas fini. Hein. C'est bon pour Project hein, parce que ça veut dire que... Là faut qu'il dessiège et faut pas qu'il s'empale surtout. Là c'est toute une histoire de placement. Alors c'est le pire placement du monde. Parce que c'est tellement open. Alors oh là, ça c'est la fête. Il ouais, n'y a pas de stalker, il n'y a pas de colosse. Alors réfléchis, machine avec les UB, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, il s'en sort super bien. Mm. Regarde, il a 42 supply d'avance. Ah, il a pu sanctionner la B3 une deuxième fois. Les UB sont là. Il a seulement 3 stalkers pour gérer ses UB. Ah, là, il fait un bac. Alors, une disruption de l'enfer peut-être. Oh là là, il l'a capté, c'est beau. Ça sent le GG, mon ami. Oui. Project. Voilà. Attention à la deuxième storm. Oh, il la prend de plein fouet. La deuxième. Regarde-moi comme ça se dépop. Ouais, mais on est sur B3 contre une B2 qui commence à être vidée. Il n'y a plus de reprod, il n'y a plus de tech. Disruption, disruption. Oh, il le tue. Oh là là. Les nerfs d'acier pour faire ça. Ouais. Il l'a fait. Il l'a battu son GM. Ouais. Alors, score final 5 à 1 face à Passenbergs. Ah, t'as bien tenu. Ah, bien joué dans la dernière game. Parfait choix de tech. Bon, au moins, on n'aura pas fini avec un. Un 6-0, ouais. Un 6-0, ouais. Là, ça aurait fait tâche. Bon. Tu portes l'équipe. Je porte l'équipe ou pas, hein. Ouais, je perds la première comme une grosse bite. Hein. Ah, bah, je sais pas ouais. Pourquoi, est-ce que tu penses qu'a vraiment été le plus dur, mais le blinking des premiers stalkers là, ça c'était rude. Point de vue observateur. Je pense que, non, la première game en fait, je pense que je joue juste pas le bon BO. Je pense que le BO que j'ai fait dans la première game, il doit être fait avec des tanks, et moi je le fais avec des mines. Ouais, c'est ce que disait Lorraine. Il pensait au tank. Ouais, je pense que la meilleure solution contre les stalkers en début de game. Je pense que ce BO, il faut absolument faire des tanks avec. Tu peux pas, genre. À moins vraiment d'être sur une map où tank c'est. Ou Blink Stalker c'est de la merde. C'est ton BO Marines tank avec un Raven, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu fais Marine tank avec. Un Raven et tout. Marine, enfin tu fais un timing push tank bio Raven, etc. Ça marche. Ouais, je l'avais déjà vu. Eh bien, on va clôturer le stream pour ce soir. Donc, félicitations donc à l'équipe Passenbergs pour cette performance.